Est-ce qu'il y en a pas, s'il vous plaît? Move up! Move up! Move up! That's what's up! That's what's up! Parce que quelques kilomètres ici, l'élite mondiale se rassemble pour déterminer ce qu'elle va faire avec la plèbe et la masse comme nous. Pendant que je vous parle, nos rues sont encore habitées par l'oppression des autres, la discrimination et l'oppression en général. Parce qu'ils essaieront de nous faire croire que la liberté c'est un privilège. Ils essaieront de nous faire croire que la liberté ça s'achète. Que ça fera des gros sous pour être libre. Qu'on n'a pas la possibilité de s'exprimer. Rappelons-nous que la liberté, ce sera toujours un droit fondamental. Et il n'y a pas un gouvernement, mais pour personne, et aucune idéologie qui pourront nous enlever ce droit-là. Si on a encore aujourd'hui la possibilité de résister, c'est grâce à cette musique-là. C'est grâce à ce qu'on fait dans les milieux de crowd. Le meilleur moyen d'avoir raison, c'est de garder nos milieux inclusifs et ouverts à tous, peu importe votre couleur de peau, peu importe votre religion, peu importe votre provenance. Nous sommes tous les bienvenus dans le hardcore et metal. À l'attention du G7, à l'attention d'une politique identitaire, à l'attention d'extrême droite, j'emmerde le racisme, j'emmerde le sexisme, j'emmerde l'homophobie, et rise the skulls! We'll be right back.
Québec en septembre dans le cadre d'un festival. Alors on se revoit là pour un show à la salle des vues en septembre. En attendant, on est vraiment content de vous voir. La prochaine, si vous avez encore du jeu, ça peut absolument.
I'm gonna make it.
souhaite-le le plus fort que tu peux. Bordel croyable. Un gros merci à toute l'organisation du festival. Un gros merci pour avoir invité cette
étonnant, et moi, ça me tient particulièrement à cœur ce qui se passe ici. Quand j'ai commencé à venir dans les shows, à 14, 15 ans dans la région de Québec, les shows se faisaient toujours à la vieille cabane de Bienville. Je sais qu'il y avait des vieux visages qui se faisaient là à l'époque. Talk of the Days, les 3-4 vieux loups qui sont encore là. À l'époque, on avait quelque chose de bien qui s'est produit. Tranquillement, on est tombé dans un creux de vague. Tranquillement, il y a eu du désintéressement. Tranquillement, il a cessé d'avoir des bandes, il a cessé d'avoir d'engouement. Puis aujourd'hui, on se retrouve en 2018, pratiquement 10 ans plus tard, et le hardcore et le métal est plus fort que jamais sur la rive sud. Et ça, c'est pas pour rien. Ça, c'est à cause de ceux qui ont le courage de prendre des initiatives, de boucler des shows, d'organiser des festivals. Des gens qui ont aussi la témérité de partir des bandes et s'y ridiculiser devant vous à chaque fois. Ça fait 10 ans qu'on se ridiculise devant vous à jouer les mêmes saloperies de chansons. Et vous êtes toujours là, année après année. Cette scène-là, c'est la vôtre, c'est votre réalisation. Soyez-en fiers, surtout, tenez le flambeau du hardcore et de la musique indépendante encore bien haut pour les années à venir. C'est votre tour de prendre la relève. C'est à vous de prendre le chemin. Dernière chanson pour la soirée. Et ensuite, on a nos amis de The Brave qui embarquent. Vous n'avez qu'à vous, mais The Brave, come on! Vous sortez! Non, non! J'ai une vision du pasteur. Où est-ce qu'il n'y a pas de trou ici? Avancez! Avancez!